Un film avec de l'action. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ah, à l'aide, inspecteur Jojo. J'arrive, Martine. J'arrive. Un film avec de l'émotion. Oh, merci inspecteur Jojo. Non, mais j'ai tellement eu peur. Mais Martine, c'est mon devoir. <laughs> Film avec dans le rôle de l'inspecteur Jojo, Jean-Mike, le micro de l'UNESCO qui parle. <laughs> l'inspecteur Jojo, prochainement dans vos salles. <laughs> Mais c'est quoi ça C'est un film sur l'écologie L'écolo quoi La force de l'image. La force du son. Mais c'est le film dont je suis le magnifique héros. Vous en pensez quoi Oh, ça a l'air génial. L'inspecteur Jojo. Mais... Euh, dans vos souvenirs... Euh, au niveau du vrai cinéma. Non, pardon, au niveau du cinéma... Euh, vous avez dû en croiser des personnalités en tant que micro-officiel de l'UNESCO, non Les grandes voix de l'UNESCO. Épisode 2 du cinéma et des hommes. Bonjour Jean-Mike. Bonjour Gabriella. Alors, vous qui vous lancez dans une carrière cinématographique, Jean-Mike, je vous ai entendu dire tout à l'heure, la force de l'image, la force du son, vous faisiez référence à quelque chose C'est vrai que j'ai déjà entendu quelque chose comme ça résonner à moi. Euh, attendez. Nous sommes en 1955, soit dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dix ans après la création de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et à l'occasion de rencontres internationales portant sur le cinéma qui se sont déroulées à l'UNESCO, l'organisation réalise une émission radiophonique qui se nomme Du cinéma et des hommes. Il s'agit de se questionner sur le pouvoir et l'influence de l'image sur votre civilisation contemporaine. Notons qu'en 1955, la télévision connaît également un essor dans le monde entier. Et vous avez rencontré qui alors Le professeur Paul Rivet, anthropologue et notamment fondateur du Musée de l'Homme à Paris en 1938. Monsieur Paul Rivet, vous êtes à la fois un homme de science et un homme de conscience. Il me semble que c'est à ce double titre que vous vous êtes intéressé au rôle de l'image dans la civilisation contemporaine. C'est évidemment une des parties essentielles de l'œuvre que j'ai essayé d'accomplir c'est précisément de donner et de, de rassembler des images aussi sincères et aussi exactes que possible de l'homme euh, dans tous les continents, de l'homme euh, dans toutes les civilisations et de l'homme dans tous les âges. Il y a là un témoignage, le témoignage de l'image, qui est un témoignage dont l'authenticité est presque absolue. C'est pour cela que je crois en effet à l'importance sociologique, à l'importance documentaire de l'image et aussi bien d'image fixe que de l'image animée. J'ai aussi croisé Marcel Lerbier, réalisateur d'avant-garde, poète, juriste, théoricien du cinéma, fondateur de l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques une école française de cinéma basée à Paris qui intégrera la FEMIS, l'école nationale supérieure des métiers de l'image et du son. Mais qu'est-ce que l'image Une figuration, une représentation, le signe composant une sorte d'alphabet de la réalité, un alphabet non plus rigide et fixe, mais mouvant et comme magnétisé par les courants occultes de la vie. Les voyelles de Rimbaud peuvent bien évoquer des couleurs. L'image évoque les pulsations infinies du monde extérieur. Prenons l'image pour ce qu'elle est sans doute. Un retour à une certaine idéographie. L'alphabet chinois dessine un arbre, un chien, le soleil, et cela dit ce que ça veut dire. Il dessine de l'eau juxtaposée à un œil pour signifier le verbe entendre. L'alphabet de l'image, aux innombrables signes, aux incalculables significations, dira mieux que les caractères de Gutenberg, les grandes tragédies du monde et les merveilleux bonheurs des hommes. C'est pour cela que l'image figure l'alphabet international de demain. Il y avait aussi Gilbert Cohen-Seat, directeur de l'Institut de Filmologie à l'Université de Paris, un institut où on étudie les films de manière scientifique. Nous avons euh, réalisé un scénario très simple, naturellement, dont nous avons tiré un, un, sur un seul négatif, enfin sur une seule série d'images, par conséquent, deux positifs. Et avec ces deux positifs, on a procédé à deux montages inspirés de préoccupations tout à fait différentes. Nous avons projeté ensuite ces deux montages successivement devant des sujets, soit isolés, soit en groupe, et nous leur avons demandé de dire d'essayer de préciser la différence qu'ils apercevaient entre les deux films c'est en enregistrant les observations des spectateurs que nous avons pu constater que ils pouvaient commettre des erreurs considérables comme par exemple de définir le même personnage à partir des mêmes images mais coupées et montées différemment dans un cas comme un personnage neutre plutôt sympathique et dans l'autre cas comme un personnage extrêmement suspect, méditant un mauvais coup, ayant manifestement une mine patibulaire et pouvant donner les plus grandes inquiétudes. Gilbert Cohen-Seat qui pointe ici les dangers du montage ou comment raconter deux choses différentes en utilisant les mêmes matières. Eh oui, la manipulation de l'image et l'effet que cela peut avoir sur celles et ceux qui regardent est grande. Pour le réalisateur italien Roberto Rossellini, le cinéma... C'est un vecteur de paix, un vecteur de compréhension entre les peuples. Attendez, vous avez rencontré Rossellini, le réalisateur de Rome Ville ouverte Eh oui, Gabriela. Roberto Rossellini, l'un des chantres du néoréalisme. Le néoréalisme. Je pense que le cinéma pourrait avoir son rôle comme tous les autres arts dans la vie contemporaine. Je pensais qu'il aurait dû avoir un grand rôle dans la société moderne et à travers la, la connaissance directe et plus profonde des gens de diverses nations, aider à l'approchement des peuples. Mais et dans quelle mesure, M. Rossellini, un cinéma peut-il demeurer national tout en étant universel Tout art est, dans, dans un certain sens, même national. Elle est nationale au début et puis elle, elle devient valable pour tout le monde, n'est-ce pas Dans le cinéma et dans un certain cinéma particulièrement, par exemple dans le cinéma réaliste, cette approche comme ça des de, de, de gens, de, de la licence humaine, etc. Ça, ça pourrait aider énormément à la connaissance entre les gens. Pour le producteur et réalisateur de cinéma Jean-Benoît Lévy, le cinéma a aussi un rôle très important. Vous confiez donc au cinéma une sorte de mission. Certainement, je confie. Au cinéma, beaucoup de missions. Un film doit reposer sur une grande idée universelle ou sociale et le message, s'il y en a un, doit être accessible au public qui voit le film, non pas d'une manière pédagogique, mais doit découler d'une action et surtout ne doit jamais prendre euh, cette forme de propagande, ni même en avoir l'intention. Le cinéma peut-il être dangereux le cinéma est, est peut-être aussi dangereux, même peut-être plus, qu'il peut être bienfaisant. Alors nous avons connu toute la période d'avant cette guerre, c'est-à-dire la, la brillante propagande organisée par les nazis, par Hitler. Et je peux bien vous dire que Mussolini m'a déclaré qu'il devait 50% du succès de sa marche sur Rome à l'utilisation qu'il avait faite du cinéma. Le cinéma comme arme donc car le cinéma a un énorme pouvoir d'attraction sur les foules. Oui, c'est d'ailleurs ce que souligne Jean Bertoin, alors ministre français de l'éducation nationale. Le premier de ces impératifs semble être de provoquer d'entretenir en nos enfants le goût de la vérité de l'honnêteté intellectuelle qui mûriront plus tard dans l'homme sous la forme de l'esprit de liberté et de tolérance, ou plutôt, car je n'aime guère ce mot, de respect de l'opinion des autres. C'est en ce sens que tout film étroitement partisan, quelle que soit d'ailleurs sa valeur, devrait être rigoureusement proscrit. C'est de ces acharnements passionnés que peuvent naître les haines de race, de nations, de caste et de classe. Si nous voulons avoir des hommes justes, faisons-leur voir des films justes. Ça me fait penser à la ministre de l'Éducation du Royaume-Uni, Hélène Wilkinson, qui présidait en 1945 à Londres la séance qui allait donner naissance à l'UNESCO. Rappelez-vous les premiers mots de l'acte constitutif de l'UNESCO, les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes et des femmes. C'est dans l'esprit des hommes et des femmes que doivent être élevées les défenses de la paix. Oui, et le cinéma est une langue qui peut y contribuer. Une langue avec ses codes. Pour Jean Cocteau, cinéaste, dramaturge, poète, peintre, c'est un moyen de s'exprimer comme un autre. Pensez-vous que l'image est une valeur subjective c'est-à-dire, lorsqu'on assemble des objets et qu'on les photographie, ah, euh, celui qui assemble les objets ah, est le véritable créateur. Ah, vous avez raison. Par exemple, si quelqu'un euh, fait un choix de poèmes de nous, le livre est presque de lui. Oui. Par exemple, quelqu'un montrait un film de moi, ce ne serait plus un film de moi. Souvent, vous savez que nous donnons nos, nos bouts de films à, à l'IDEC et les jeunes garçons euh, ont comme devoir de monter nos bouts de films. Eh bien, j'ai vu comme ça des bouts de films des Parents Terribles montés par des jeunes gens de l'IDEC. C est, c est évidemment, ces jeunes gens s'exprimaient. Je, je leur avais donné de l'encre et, et du papier et oui. de la, une plume, mais ils s'exprimaient, eux, à travers. Ils, ils se servaient de moi pour s'exprimer. C'est pour oui. ça que je crois que, que le montage est considérable. Jean Cocteau, comme Gilbert Cohen-Seat, évoque l'importance du, du montage. Euh, on me fait signe euh, en régie. Ah Écoutez ça, Jean-Mike. Un film. Avec un ancien inspecteur psychopathe. Inspecteur Jojo Lâchez-moi Lâchez-moi A ah, l'aide Martine 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 Un film qui va vous glacer le sang. Oh, j'ai tellement peur Non, non Martine inspecteur Jojo <laughs> Martine dans le rôle de l'infâme inspecteur Jojo, Jean Mike, le micro de l'UNESCO qui parle. Mais c'est quoi ça C'est pas du tout mon film On a juste appliqué ce que vous nous avez fait entendre, quelques modifications de montage, une nouvelle voix off, et hop. Non mais, sur Instagram, je vais passer pour un malade moi C'est pas du tout bon pour mon image ça c'est un scandale. Je suis victime d'une manipulation. Qui a fait ça ben, C'est une personne qui s'y connaît bien en cinéma. Eh <laughs> ben moi, je m'en vais. Mais revenez, vous allez où Tourner une pub pour du dentifrice Très drôle. Alors que Jean-Mike vient de quitter le studio de manière pour le moins théâtrale, pour ne pas dire telle une grande star de cinéma, la star qu'il est, Nando Gizzy, et je l'en remercie, nous a rejoints. Bonjour et bienvenue Nando. Euh, bonjour Gabriela, merci à vous pour l'invitation. Alors vous travaillez Nando pour l'association L'Archipel des Lucioles, anciennement passeur d'images. Est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer le but de cette structure et votre rôle en son sein c'est une association qui coordonne au niveau national plusieurs dispositifs d'éducation aux images, euh, sur le temps scolaire et sur le hors temps scolaire. En tout cas, ça s'adresse à un jeune public euh, À des publics, oui, jeunes ou enfants, et oui, plus généralement... Au public éloigné de l'offre culturelle pour des raisons géographiques, sociales ou de conditions physiques. Et vous, c'est votre rôle de chargé d'éducation aux images. Qu'est-ce qui vous a frappé à l'écoute des archives que Jean-Mike a partagées avec nous aujourd'hui Il y a plusieurs choses qui m'ont frappé de ces archives. Déjà le fait que c'était des hommes qui avaient une vision déjà à l'époque assez grande de, de, du cinéma et de, de l'homme. Ce que le cinéma pouvait faire dans une, une vision humaniste de la. De la de et universaliste. universaliste oui. Qu'il y avait déjà des enjeux et des préoccupations envers l'image qui semblent très actuelles, de plus en plus actuelles. Euh, je remarque aussi, par contre, qu'il um, n'y a que des archives de, de voix mas masculines. Euh, L'émission même d'où ces archives viennent s'appelait du cinéma et des hommes. Alors qu'aujourd'hui nous aussi dans notre métier on est très attentif à la parité à donner beaucoup plus de plus en plus de place à la représentation des femmes à accueillir la voix des femmes en tant qu'autrices de cinéma donc pour nous c'est une grande attention que que je remarque qui par rapport à l'époque d'où ces archives viennent euh, voilà c'est un des points comme par exemple d'évolution qu'on a eu par rapport à notre métier on pressent notamment dans les propos de Jean Bertoin, qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale, ce souci d'éducation aux images. Mais en fait, à quel moment cette forme d'enseignement est-elle née en France Alors, vous touchez un point très très important, c'est à dire l'histoire et d'où ça vient tout ça, parce que c'est une longue histoire et une très belle histoire qui on peut faire remonter au moins aux années 10 du XXe siècle, parce que déjà Edmond Benoît-Lévy, qui était l'oncle d'un de, des personnes qui, 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 qui intervient dans ces archives, Jean Benoît-Lévy justement, euh, fondateur et directeur de la salle Omnia à Paris, donc un homme important de l'industrie et de la, de, du cinéma qui se sédentérise en salle à continuer après à, à travers l'histoire des ciné cinéclubs euh, qui sont installés en France très très euh, très précoce à partir des années 20 mais c'est surtout euh, à partir de André marot que la conception d'éducation au cinéma et aux images que nous encore portons aujourd'hui voit vraiment les germes en termes d'institution et de politique parce que c'est vrai qu'André marot avait une conception du cinéma et des images comme œuvre capitale pour lesquelles il voulait donner le plus grand accès au, au public, au, à, la, à la population. Et voilà qui est aussi euh, le moment fondamental de la loi euh, Langue Tasca aux alentours des années 2000. C'est une loi fondamentale pour notre métier parce que c'était un plan de cinq ans. Qui a permis l'inscription de l'éducation artistique dans le cinéma, dans euh, les enseignements fondamentaux de l'école. En 1955, on l'entendait, Jean Bertois, qui est alors ministre de l'Éducation nationale, estimait que si nous voulons, je le cite, avoir des hommes justes, faisons-leur voir des films justes. Est-ce que c'est comme ça aujourd'hui, Nando soixante 70 ans plus tard, que vous résumeriez euh, votre métier vos objectifs en tant que chargé d'éducation aux images Non, pas du tout. <laughs> euh, je vous avoue que c'est l'archive qui m'a fait plus réagir négativement euh, à l'écoute, alors que je me suis retrouvé d'accord et même étonné, surpris, ému à, à l'écoute de la plupart des archives. Ces archives, pour nous aujourd'hui, est problématique. Euh, et pour plusieurs raisons, de la définition de, du ministre Bertrand de l'époque, les jeunes sont presque des vases vides qu'il faut remplir de certains messages que quelqu'un d'autre a, a décidé euh, être juste à, à ce moment-là. Pour nous, au contraire, nous avons confiance dans leur rencontre qui est, euh, de, entre l'œuvre et le public jeune et ce que leur rencontre peut faire pour engendrer de la vie de ce jeune public euh, sont avoir la prétention de contrôler ce qui va naître de, de cette rencontre, sans vouloir non plus contrôler les, les, les messages et valeurs, euh, les idées plus ou moins justes que ces films véhiculent tout l'enjeu et accompagner les gens publics, les gens spectateurs, jeunes ou moins jeunes, à avoir les outils pour comparer, comprendre, comprendre ce point de vue, le message, on pourrait dire comme ça, l'idée qu'il y a derrière à travers des choix de mise en scène, des choix de réalisation, euh, comparer avec ceux qu'ils ont l'habitude de, de voir euh, ailleurs. Euh, la proposition aujourd'hui d'éducation aux images du cinéma, ce n'est pas d'empêcher de, euh, à ces jeunes spectateurs de voir d'autres choses ailleurs, mais justement de leur offrir une proposition euh, exigeante avec, à travers laquelle ils peuvent tout seuls après construire leur goût et se construire en tant que, que personne, construire leur propre identité. Merci beaucoup, non Merci. Je vous en prie. Merci à vous. Retrouvez l'intégralité des archives de cet épisode sur le site fr.unesco.org. Les Grandes Voix de l'UNESCO, un podcast qui vous plonge dans l'histoire de l'UNESCO. Avec la participation de Nando Chutzi.